Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Unbox Figs. C'est du non officiel, donc ils n'ont pas la licence Final Fantasy. En même temps, en résine Final Fantasy, il n'y a plus rien. Il y avait Kotobukiya avant, maintenant bah, c'est terminé. Hein, alors on espère que Prime One va pouvoir en faire, parce qu'il y a eu du Nier Automata, on verra. Donc aujourd'hui, c'est du My Fly Studio, studio que j'affectionne particulièrement. J'avais fait un Actu Figs dessus. Et j'ai Unbox la Tyrande, hein, qui est actuellement encore une de mes statues préférées de Warcraft. Donc maintenant on va faire Tifa en un quart. Alors il y avait beaucoup de Tifa qui sont sortis en même temps, donc des Tifa remake principalement. Là c'est une version un peu particulière, on est sur une version pas jeu original mais plus Advent Children mix avec le remake parce qu'elle a ses habits standards et non ses habits Advent Children que j'aime pas trop. Après je l'ai prise parce que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle dégage quelque chose au niveau du visage, elle avait une expression que j'aimais bien. Donc voilà une petite boîte, hein, vous voyez. Hein. Vraiment, elle prend pas beaucoup de place, donc ça c'est cool, elle va être assez facile à monter, ça sera une vidéo rapide, donc ça me fait plaisir. Alors vous allez voir, c'est une statue que j'ai repeinte. Alors très léger, hein, mais comme on est sur une statue FF7 Advent Children, elle avait les yeux marrons dans le film. Et moi je préfère sa teinte rouge, donc du coup je l'ai fait repeindre par Roro qui me l'a fait, vraiment, vraiment très gentil. Donc la base qui est assez lourde. Donc dessus on a le nombre d'exemplaires, on voit que j'ai le 441 sur 468, donc un assez haut tirage quand même, elle s'est bien vendue. Alors vraiment elle pèse son poids cette base, donc une base plutôt sympa avec pas mal de détails, on voit derrière les petits anges. À quoi ça correspond exactement je ne sais pas, on a aussi plein de symboles, hein, vous allez voir après hein, sur la base, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, si quelqu'un a des idées, n'hésitez pas à me le dire. Donc on a cette première pièce qui va aller devant. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une continuité avec leur gamme. La Aerith, on est un peu sur le même principe. Donc ça, c'est sympa. Alors, c'est assez simple à placer là aussi. Paf, vous la mettez là. C'est fait. Ça fait un beau socle. Là, ça rajoute de la profondeur. On a des petites fleurs. Moi, j'avais une petite casse au niveau de la fleur. Mais bon, je l'ai remise et ça se voit pas du tout. Et pareil. Donc là, elles se mettent derrière. Il y a un peu de fleurs qui repoussent. Donc j'imagine que c'est peut-être un clin d'œil à Aerith. Alors, Tifa, c'est une interprétation quand même assez originale parce qu'on a sa tenue de base et vous allez voir qu'on a le visage plutôt Advent Children donc elle est un peu plus grande. Alors c'est vraiment très bien fait, la jupe elle est texturée vraiment au top, c'est très léger. On a un petit porte-clés Chocobo et ça je trouve ça vraiment fun. Alors attention à pas le faire tomber. On a des potions derrière. Alors potion de vie, potion de mana j'imagine. Alors attention c'est en PVC, moi dans mon best-of si vous l'avez vu, ça va exprès je l'ai arraché pour vous montrer que c'était du PVC en le bougeant un peu trop. Alors normalement elle a un t-shirt dessous, bon là elle a carrément la culotte. Bon, on est sur le fanservice, mais pas tant que ça, hein, comparé à ce qu'on a pu voir sur d'autres Tifa avec des augmentations mammaires ou carrément elles vont à poil. Ces chaussures qui sont vraiment très bien faites, hein, les lacets et tout, là, tout en résine, il n'y a rien à dire. Les habits sont vraiment bien faits. Hein. On a aussi pareil, là, un effet cuivre au-dessus. Bon, je pense pas que ça, là aussi, c'est une petite interprétation, hein, ils sont pas vraiment comme ça. Voilà, ben, en tout cas, alors pareil, j'aime bien les bretelles, hein, ça c'est bien fait aussi. Hein. En PU, alors je pense que c'est de la résine souple, parce que c'est très léger, assez facile, ça va être très rapide, vous allez voir. Mais vraiment, j'aime bien la pose. La pose est cool. Ensuite, vous avez le gant avec les mains. Et là, vraiment, c'est vraiment bien fait. Vous avez vu les ongles? Je sais pas si vous voyez les ongles. Là, il y a du détail à faire. Là, il y a vraiment. Les doigts sont fins, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, ça, j'aime bien. On le place ici. C'est aimanté. Ça y va tout seul. Plutôt facile à faire. Et ensuite, le visage. Alors, le visage, là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, déjà, je sais pas si vous voyez, il y a des boucles d'oreilles. Ça, c'est vraiment très bien fait. Pas forcément évident, chez Tyrande c'était un peu pareil. On a forcément des mèches en pointe de PVC hein, pour pas que ça casse. Et voilà le visage. Donc il y a un petit sourire en coin, un petit peu moins que sur le proto, hein. Ça a un peu changé. Et moi j'ai repeint, enfin Roro du coup, hein, vraiment merci à toi Roro, c'est vraiment cool de ta part, qui m'a repeint les yeux en rouge, sinon ils sont marrons de base, je vous mets une photo en même temps à côté. Je vous fais un petit avant-après en même temps, hein, que je vais poster aussi sur les réseaux. Hein. Et il m'a rattrapé l'eyeliner qui apparemment m'a dit qu'il était défaillant. Donc il l'a rattrapé, il a terminé visiblement. Et du coup, alors ça change pas énormément, mais vraiment ça apporte un plus. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez avant et après. Donc c'est ma deuxième statue repaint. Après c'est assez facile à placer, hein, là. On la met ici. Hop. Ce qui est bien, c'est que du coup ça se met un peu sous le t-shirt pour éviter les démarcations. Ça c'est une très bonne chose. Donc je trouve qu'elle dégage quelque chose, moi. C'est pour ça que je l'ai prise. C'est qu'il y avait un petit côté, il y avait du charme sur la statue, hein, ce que j'ai pas forcément trouvé sur les autres. Alors bon, j'en ai pris une autre, on fera un comparatif après. Mais voilà. Bon, ben je vous laisse voir le trailer en musique.
Ben voilà, j'espère que ce trailer en musique vous a plu. Je vous invite à liker bien sûr la vidéo et à commenter pour me dire vous ce que vous en pensez, si vous préférez le repaint que j'ai fait ou pas, ou même si la statue en général vous plaît, ça m'intéresse de le savoir. Bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, je suis content de l'avoir fait repeindre surtout, parce que ses yeux en rouge, c'était un des trucs qui me gênait le plus. Je les voulais, donc voilà, je l'ai fait, donc je suis content, j'ai bien fait de le faire. Après, alors qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, c'est une statue 1 quart. Tifa fait 44,5, un truc comme ça, centimètres. Donc j'ai l'impression qu'elle était un peu petite, quand on compare avec mon Sephiroth, mais en fait c'est mon Sephiroth hein, qui est hors norme complet, hein, il est quasiment proche du 1 tiers. Parce que 44 cm en 1 quart, ça fait 80, ça fait 1m65, et je crois que Tifa est fait dans les 1m60 justement, donc ça me paraît réaliste. 52 cm de haut avec la base, 24 cm de large et 23 cm de profondeur. Il y a un effet, une dynamique sur les cheveux que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien qu'il y ait des trucs comme ça sur les cheveux. Ça apporte un plus, ça apporte un peu de largeur aussi. Hein. Elle est... alors, je trouve qu'il y a du charme. Elle est assez, assez sexy, mais en fait, gentille. Quoi. Il n'y a rien de vulgaire ou quoi que ce soit. Hein. Donc, vraiment, ça rend bien. Les potions, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Par contre, le chocobo en plus, ça j'aime beaucoup. Hein. La base, j'aime bien. Même si j'arrive pas forcément à la comprendre, les fleurs c'est cool, hein, ça ajoute une petite touche de couleur, un peu de vert et de blanc, mais je la comprends pas spécialement si quelqu'un a une idée, mais ça rend bien. Alors au niveau de la peau, il y a un très joli paint hein, qui est forcément plus clair ou plus foncé selon. Par contre, on voit quand même pas mal de veines. Je sais pas si vous avez vu, là on le voit, il y a vraiment, vraiment les veines. Vous avez dû le voir sur le zoom, je pense. Et là ici, ça rend bien, peut-être un peu trop prononcé, mais vraiment léger. Hein. Le paint du ventre est bien fait. Là, il n'y a pas de souci. Le visage aussi, surtout que moi, il était retouché par Roro en plus. Hein. Les habits hein, texturés, alors ça, c'est vraiment très bien. Même là, c'est hyper bien texturé. Hein. C'est fin, surtout c'est fin, voilà, c'est pas grossier. Et ça, j'aime bien. Après, c'est peut-être pas la meilleure Tifa, parce que c'est pas la plus accurate niveau remake. Elle ressemble pas forcément au remake, hein, ça dépend ce que vous cherchez. Donc moi, j'ai pris la MH Studio, je vous la mets à côté. Je la recevrai, elle va être envoyée là, au moment où je fais la vidéo, elle est envoyée. Le temps qu'elle arrive, donc 2 mois, on va dire. Et je ferai un comparatif des deux, comme ça, vous me direz laquelle vous préférez. Ils ont fait Aerys ensuite, pour l'instant, il n'y a que ces deux-là de prévu. Alors, j'ai pas pris Aerys, parce que je suis pas convaincu encore des cheveux. J'attends d'en voir plus à la sortie, mais je vais sûrement la prendre si elle me plaît. Donc, j'attends de voir. En tout cas, je suis très content, je trouve que ça a du charme. Alors, je l'ai payé 495 €, je l'ai payé un poil plus cher parce que je l'avais pris sur un site un poil plus cher, malheureusement. 495 € plus 155 € de frais de port, donc j'étais à 650 € tout de même. C'est du MyFly, ce que j'aime bien chez MyFly, par contre, c'est qu'ils apportent un soin aux matériaux choisis et vraiment à la finition de leur statue, hein. Donc ça, c'est cool. On l'avait vu chez Tyrand, qui était vraiment un peu plus au-dessus de la moyenne hein, pour du non-off, je trouve. Et là, c'est le cas aussi. Si on apprécie en tout cas la pose du perso et le perso qui n'est pas 100% remake, je pense vraiment qu'il y a une statue qualitative hein, pour le coup. Ben voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz, puis on se retrouve bientôt pour un prochain Unbox Things. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao!